gars, le premier défi qu'on va faire aujourd'hui, c'est le tir à l'arc. C'est un de mes sports préférés où je suis complètement rincé. Mais on va essayer sur un zèbre. J'ai réussi à résister Marty, les vrais de la chaîne, vous vous souvenez? Et on a mis des ballons en mode Mario Kart au-dessus de lui. Le but, ça va être de pas tuer Marty. Sachant qu'après, on va continuer à le martyriser pendant la vidéo. Marty martyrisé. J'ai eu une carrière dans la comédie française. Donc j'espère que ça va bien se passer. Marty, y a rien de personnel. Cœur sur toi. On a les mêmes chicots. Et maintenant, on commence le premier défi. Bon, les gars, maintenant, il va falloir tirer à l'arc. Mais vraiment, j'ai trop peur. J'ai pas envie d'abîmer mon Marty. C'est mon Marty. Il est trop gentil. Attends, tu penses que je le mets à quelle distance? Attends, là, on est comment? À mon avis, là, ça va, non? Et tu penses que je devrais tirer genre en mode Pocahontas? Tu me fais m'accroupir quoi. J'ai trop peur. En vrai, j'ai vraiment l'impression que je vais tirer sur quelqu'un, c'est pas normal. J'ai trop d'empathie envers les objets. Tu vises lequel? Je vise le haut du crâne. Peu importe lequel ça touche, je suis content. Marty, oublie pas, il y a vraiment rien de personnel. Oh, 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 les gars, let's go. Eh, hey, alors moi je veux rien dire, mais pour un mec qui sait pas faire de tir à l'arc d'après les commentaires, je viens de mettre dans le mille. Donc les gars, je suis extrêmement content. On n'a pas shooté Marty. Je suis très content. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tirer à l'arc, c'est cool. Donc clairement, c'est amusant et tout. Voilà, bonne humeur, la bonne ambiance. Mais par contre, est-ce que vous avez déjà tiré avec un gun? Moi, non. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a de la chance, Simon, il a ramené son airsoft. Bien évidemment, c'est pas un vrai pistolet, vous inquiétez pas. Et on va tirer sur Marty avec. Il passe la pire journée de sa vie, Marty. Hein. Ah, vous m'avez pas vu. Là, les gars, on a le airsoft. Il est chargé et maintenant on est prêt pour tirer. Maintenant Marty, je vais essayer de te tirer dessus, tu m'en veux pas toujours hein. Bon, il sourit, il doit être content. Let's go. Les gars, je vais rien dire mais j'ai clairement eu le ballon et il en reste juste un au sol donc un tir. Un mort. Les gars, je veux pas dire mais le airsoft c'est complètement validé, je pense que c'est beaucoup plus dur en mouvement. Là clairement c'est vraiment la version simple. Maintenant on va tester un truc, d'affronter une de mes plus grandes peurs. Moi ma peur c'est de me faire du mal, mais vraiment très mal tu vois. Donc je vais te laisser me tirer dessus au airsoft. Avec plaisir. Non mais je vois ton sourire mesquin là, vous voyez pas derrière la caméra. Du coup vas-y. Gros j'ai trop peur, s'il te plaît. Par contre t'en retombes pas hein. Ah, attends gros. Ah non par contre, oh, ah ouais t'as pas rigolé. Les gars, le défi est validé mais ça fait mal à ne pas reproduire chez soi. Bon, est-ce qu'on passerait pas au talent suivant? Par contre j'ai fait un trou dans ton pull. Les gars, du coup, on se retrouve encore une fois dans le Garden Party. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va actuellement me tirer dessus et je vais devoir esquiver. Parce que l'esquive, c'est un talent. Donc les gars, on est parti pour me tirer dessus. Oh, ça va, je suis sûr que je t'ai touché. Il a plu là, c'est bon. Ouh. Eh, c'est épuisant. Les amis, ce talent est validé. On passe maintenant au talent suivant. Les gars, une bouteille d'eau, c'est quand même ultra important pour la santé, pour l'hydratation, pour la peau, tout ce que je ne fais pas. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà vu des vidéos comme celle-là? En gros, c'est des gens qui arrivent à boire des bouteilles d'eau en littéralement une seconde. Pour moi, ça me paraît impossible. Ok, let's go. En plus, ça, ils font tout ce truc de vraiment aplatir. Ouais. Mon mec, je vais me le prendre dans la tête. Vas-y. T'es nul. Oui, mais là t'as bu normalement. Mais même pas mais en oui. Gars, quoi? Quoi, mais t'es nul. Attends, je retente. Mais ça marche pas. Là. Mais ouais, ça marche pas comme il faut que j'écrase. Ouais, tu sais pas boire. Frérot, je sais même pas fermer la selle. De quoi tu parles? Je sais pas boire, c'est normal. Oh là là, la dinguerie. Ah, j'ai mal à la gorge. Ce défi n'est pas validé et je pleure actuellement tellement l'eau elle est remontée à la surface. Carré. Donc on passe au talent suivant. Donc les gars, maintenant on a besoin des chamallows. On va voir combien je peux en mettre dans ma bouche. Alors, vu comment j'ai galéré à gober l'eau, alors croyez-moi, les chamallows, ça va être très compliqué. En plus, c'est marqué à partager, mais j'ai pas de potes. Donc, ça sera plus pour moi. Les gars, on est parti. Combien de chamallows je vais essayer à rentrer dans ma bouche? C'est une question que absolument personne ne se pose. Ok, on commence. Premier chamallow. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. 9. 10. Ça. Oh. Les amis, je veux rien dire, mais j'ai réussi à en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Alors peut-être que j'étais éclaté avec l'eau, mais avec les chamallows, j'ai tout tué. Les gars, ce talent est validé. Maintenant, on passe au talent suivant. Bottle Flip Challenge. Vraiment, on est de retour en 2016. C'est génial. Donc concrètement, les gars, le Bottle Flip Challenge, ça consiste à faire ça. Et là le but c'est pas d'en faire un parce que vas-y un bah tout le monde peut y arriver. Là le but c'est que je vais essayer d'en faire 5 d'affilée. Quand je rate je recommence tout. Let's go premier bottle flip. Et si j'arrive du premier coup les gars je vous jure je suis en deux. Allez. 1. Eh. Mamma mia de la pizza de la mama. Désolé Mister B, j'aime trop la pizza de la mama. Je mange ça tous les soirs. Non. Ok je recommence tout depuis le début les amis. Y'a plus d'effort. Oh. Les gars, je commence des défis qui sont bien trop compliqués pour ce monde. Ok, let's go.
Maintenant, je vais faire que la technique de la jambe. J'arrête la technique de la jambe. C'est vraiment, je suis trop enragé. Ça marche pas du premier coup, les gars, je fais pas. Ok. Un. Bah, un. Ça s'arrêtera là, les amis. Je crois que j'ai trouvé la technique. Non ! Mamma mia ! C'est bon, c'est pas grave. Non ! Oh ! Et 3 ? Mais pourquoi ? Pourquoi le quatrième, il veut pas ? C'est quoi, regarde ? Tu aurais me regardé. Oh, oh ! C'était très stylé. Attends, calme-toi, calme-toi. Bon, les amis, le défi du butterflip est une réussite. Comme vous, les amis, vos parents doivent être fiers de vous, vous êtes une réussite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer au talent suivant. Être un ninja. C'est faux. Prochain talent, le maniement de l'épée. Je vais affronter un autre créateur dans un ring, et le premier qui sort du ring a perdu. Donc juste pour qu'on soit clair, on a littéralement pris toutes les épées possibles, et aussi Blaco, les amis, que vous connaissez, vous avez déjà vu sur la chaîne, que vous adorez tous. Mettez tous Blaco on t'aime dans les commentaires. Moi aussi je vous aime, mais mettez Rayton on t'aime aussi. Moi et lui. Mais pause de Rayton. Abonnez-vous, tu sais quoi, je vais faire mieux. Abonnez-vous tous à sa chaîne. C'est quoi, je vais faire mieux. Activez la cloche, tu mets pause là maintenant, tu likes, tu partages, tu demandes à ta mère de regarder la vidéo. Ça fait beaucoup là, frérot. Dédicace à toutes les darons de France. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est choisir une arme. Tu peux vraiment prendre celle qui t'inspire le plus, il y a de tout. Et celui qui, je jure, fait le combat avec cette épée, il a vraiment de l'honneur. Parce que c'est pas la meilleure. Non, en vrai. En vrai, moi, je me tape entre soit celle-là. Ah ouais. Soit celle de... En vrai, je sais que tout le monde veut que je prenne celle-là, mais je vais pas prendre celle-là. Moi, je vais prendre celle de Thanos. Que Thanos, tu connais, c'est en plus, c'est double lame. Que ça va faire mal, mec. Hein. Oh, frérot, ça me fait déjà très peur. Très, très peur, ça. Hein. Je vais prendre laquelle, toi? En vrai, moi, j'hésite parce que je t'avoue, mes favorites, c'est ces trois-là, tu vois. Ok. Elle. Très jolie. Celle-là. Celle-là, elle est belle, mais celle-là, elle est belle, celle-là aussi. Hein. Celle-là, pour un combat, je vais gagner, ok? Vous connaissez les règles. Maintenant, c'est un 1v1. Dans les règles de l'art, on essaie de pas trop toucher la tête. On se fait un tin-tin de épée. Tin-tin, c'est bon, c'est parti, du coup. Le caméraman sera actuellement l'arbitre. Ouais, gros, j'ai trop peur. En vrai, il me fait trop peur. Mec, Blaco, il me fait peur, là. Quand tu veux. Oh, elle est pas mal, celle-là. Oh, t'es sorti! C'était trop simple là! Ok les gars, 1-0, mais j'en démords pas. Je vous rappelle que je suis quand même le maître des armes animées du YouTube. Quoi? Ah oui, tu savais pas cette technique? Attends, il le fait dans le film? Non, mais c'est moi qui l'ai fait. Quoi? Non, moi j'invente des règles, moi. Oh, trop dur! Victory. Ah les gars, je crois que le 2-0 il est violent. J'ai une idée pour rééquilibrer la balance. Maintenant je propose, on fait la même, mais il y a un talent que les gens connaissent pas. Le talent de voir dans le noir. On va faire la même chose, mais on doit suivre comme Spider-Man que notre instinct. On n'a pas le droit de regarder. Vas-y, ça marche. Les gars, vous remarquez pas que son tatouage juste là, c'est exactement Blaco juste maintenant? Ah ça c'est moi. T'as attendu à côté de moi là? Peut-être. Ah le c'est qu'on voit rien du tout par contre. Disclaimer, ne reproduisez pas ça chez vous les gars, c'est méga dangereux. Là on est encadré par des professionnels comme Simon. Wesh mec, arrête, arrête, tu vas me tuer. C'est bon? En tout cas vous avez l'air bien intelligent là. Le combat commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Ah, sa mère l'enfoiré, non. Ah, j'ai jamais vu un truc aussi débile et ridicule de ma vie. Oh, ah, Charles, il a perdu son... Mais c'est quoi ça, bébé? Aïe, aïe, j'ai perdu, j'ai perdu. Blaco, vainqueur des Jeux Olympiques de l'extrême. En plus, j'ai piqué son arme en plus, ça. Morale de l'histoire, ne vous battez jamais contre lui. Écoute, je pense que ce talent, je ne l'ai pas validé. Mais par contre, tu l'as validé pour moi, donc c'est incroyable. Yes. Les amis, est-ce qu'on peut avoir un max d'applaudissements montage pour Blaco? Prochain talent, c'est un talent particulier, avoir de la chance. Est-ce que je vais en avoir aujourd'hui? Nous avons un alligator vivant juste là. Les règles sont simples, on va juste tester si j'ai de la chance. L'objectif est de tenir plus de 5 essais sans me faire mordre par le crocodile. Pour se faire mordre par le crocodile, il faut appuyer sur la mauvaise dent. Mais on sait pas du tout laquelle c'est complètement aléatoire. Et je suis pas dentiste pour savoir s'ils ont vraiment des dents comme ça les crocodiles. Mais en tout cas, lui, bon, elles sont bien blanches ces dents. Hein. Et je suis jaloux, elles sont meilleures que les miennes. Et je sens pas en vrai, j'ai trop peur que ça fasse mal. Première chance gagnée. À vous, t'as peur. Bah ouais. Ok, 2, pour l'instant je suis en positif. Je le sens pas, je pense que c'est celle-là. 3 les amis, 3.
4. Pour l'instant, les amis, la chance est de mon côté. Moi, je pense celle-là, elle a la canine. D'ailleurs, à noter que chez Crocodile, on appelle ça une caninée. C'est complètement faux, je n'ai aucune idée. Ah! Mais non, mais c'est pas possible! 5! Genre, j'ai pas réussi le 5ème! Oh, je suis tellement déçu. Tu veux faire une partie rapidement? Non. Regarde, 1, 2, 3, 4. Mais voilà, mais non, mais attends, mais c'est. Attends, mais c'est un jeu qui est pipé en fait, c'est forcément le 5ème. Non. Ok, bon, bah, je suis juste nul. Les amis, la chance n'était pas de mon côté. Allez, on passe au talent suivant. Pour le prochain talent, je vais essayer de faire un château de cartes avec des cartes Pokémon. Quand j'étais petit, j'étais très fort pour faire ça. Donc c'est bon. Juste à dire qu'avant qu'il lance, il a dit qu'il allait faire un truc haut comme ça. Hein. Juste avant que je lance la règle. Non, mais, non, mais mec, c'est bizarre, je te jure, d'un moment, j'y arrive. Ouais. Wow. Attendez, mais c'est décevant là. Mais je vais jamais. Bravo. Non, mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver. En plus, là, je respire trop fort. Ok. Je me sens déjà beaucoup trop stressé alors que c'est littéralement le plus petit château de cartes de France. C'est la base des châteaux de cartes. Tous les châteaux de cartistes, vous devez vous foutre de moi. Je vais essayer de faire des fondations plus solides. Ok, je commence à avoir le mojo. Le mojo Jojo. Pourquoi tu t'es approché? C'est pas moi, c'est pas moi. T'as voulu faire un plan, c'est pas moi. Les amis, il faut moi que j'arrive à en faire un. Mais je m'attendais à ce que ce soit plus simple parce que je vous jure que normalement j'y arrive mieux. Hein. Juste un petit chapiteau, c'est déjà bien. Faut qu'il tienne au moins 5 secondes. 1, 2, 3. 4, 5! Premier château de cartes validé. Est-ce que tu penses que je peux le mettre encore plus grand? Oui. Ouais? Bah tu doubles ça quoi. Ok, pour l'instant tout se passe bien. Ouais, ok, c'est pas trop grave. Ok, c'est pas grave les amis, c'était prévu. Ok. Et les gars, par contre, je suis chaud là. Je me sens stressé, j'ai l'impression que je fais une opération chirurgicale. Aïe aïe aïe. Attends, j'ai une idée, je vais faire des fondations. Le poids augmente la stabilité. Tu vois, là, c'est bien comme ça. Là, je me sens beaucoup plus en confiance, tu vois. T'as pété? Ah, ok. Il y a un ballon. Bon, je regarde, c'était sympa. Allez, hein. Donc maintenant, on passe au talent suivant, voilà. Allez, c'est parti. Les amis, là, il y a un chronomètre. Et maintenant, je vais redescendre en une minute. Morty de Rick et Morty. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1, go. Le personnage, il est très peu détaillé, mais assez pour me les casser. Il a des borons sur deux. Des borons. Il a des yeux bien injectés, lui aussi. En gros, je suis tellement concentré. Oh, c'est chaud, patate. Bah ouais, ça va, pour l'instant, j'ai le temps. Ok, ça se passe bien. Ok, pour l'instant, ça va. Ça va être les mains où je vais galérer. Putain, il a le bras long, lui, hein. On est à 37 secondes, fais gaffe. Là, j'ai plus le choix, il faut que j'aille en one shot, hein. Oh, j'ai pas le temps. 8, 7, 6. Ok, je suis bon. C'est bon. C'est bon, les gars, attendez. Oh, les gars, let's go. Alors, on en parle que ça va, en vrai. Franchement, une minute, c'était short, hein. Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est validé? C'est validé. C'est validé. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un méga pouce bleu, de vous abonner maintenant et activer la cloche pour rejoindre la Team Rayton. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos qui sont juste là. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Et ciao.